Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Je reçois pour vous pour la toute première fois sur Repère un acteur majeur de la scène politique en République démocratique du Congo. Il est président du regroupement Alternative 2028. Lui, c'est l'honorable Ados Ndombassi qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur Repère. Nous allons devoir parler sur certains sujets, les sujets brûlants de l'actualité. Nous allons parler sur la révision de la Constitution qui fait parler, qui fait jaser ces derniers temps sur la toile. Et nous allons parler aussi sur le dialogue, ainsi que nous allons parler de la marche de l'opposition qui a eu dernièrement. Honorable Ados Ndombassi, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher frère. Je parie que vous allez bien. Tu fais grâce. Merci beaucoup. Très bien. Avant de pouvoir entrer dans notre émission proprement dite, nous allons suivre cet élément que la régie va devoir nous balancer, une manière de présenter encore davantage notre invité. Et ensuite, on se retrouve tout juste après. C'est parti. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, vient de boucler son quatrième cycle électoral avec les scrutins de 2023. Un cycle qui a été caractérisé par plusieurs irrégularités ayant affecté l'intégrité des différents scrutins. Il est temps de nous questionner sur l'existence de cette CENI qui, au lieu d'être un organe indépendant, transparent et crédible, s'est transformée en une institution porteuse des germes de conflits sociopolitiques qui risquent d'embraser notre pays. Le cycle électoral qui vient de se terminer, qui a non seulement laissé l'opposition divisée, mais qui a aussi réduit son impact à une portion congrue. Chers invités, à l'heure actuelle, la République démocratique du Congo a besoin d'une opposition capable de se rallier derrière l'intérêt du peuple, car les égaux des figures de proue de l'opposition constituent le grand obstacle à une vision fédératrice. Il s'agit là du contexte qui émane de ces élections. Fort de ce constat unanime, il s'impose la nécessité de repenser l'opposition congolaise afin de la façonner en une alternative crédible. Nous nous sentons dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques et pris d'une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Ensemble, retrouvons pleinement notre fierté et dignité pour donner corps aux rêves de Simon Kimbangu et un sens au sacrifice de Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à celui de tous nos martyrs qui ont versé leur sang pour l'idéal d'un Congo uni où règne la paix, la justice et le travail. Vive la République démocratique du Congo! Que Dieu bénisse notre beau et grand pays. Je vous remercie. Très bien. Merci à vous tous qui nous suivez. C'était là l'intervention de l'honorable par rapport à sa sortie officielle du regroupement Alternative 2028. Honorable, nous venons de suivre l'élément. Si on peut rentrer un tout petit peu en arrière, quels sont, parce qu'aujourd'hui vous avez créé votre regroupement politique Alternative 2028. C'est quoi? C'est la déception que vous avez connue à l'ECID qui vous a poussé à créer le groupement Alternative 2028? Non, mais je pense que Alternative 2028 est un nouveau-né, nouveau regroupement politique, sortie officielle qui a eu lieu le 13 mars 2024 à la CENCO. Nous sommes aujourd'hui des acteurs politiques qui ont soif du changement. Et il se fait aujourd'hui que nous ne sommes pas à la même longueur d'onde avec les CID et nous avons pris la décision, bien sûr, de frayer notre propre chemin. Pourquoi choisir Alternative? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans la classe politique pour pouvoir renommer votre regroupement Alternative? Parce qu'il faut un changement en 2028.
2028 doit être la date où toutes les bêtises politiques s'arrêtent. Il nous faut aujourd'hui une nouvelle classe politique. Nous pensons que la classe politique congolaise a totalement échoué. Je parle de ceux qui sont dans la majorité comme ceux qui sont aussi dans l'opposition, ont totalement échoué. Et il faut qu'une nouvelle classe politique se mette en place. Des gens qui aiment le Congo. Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne me considère pas comme un politicien. Politicien, pour moi, c'est très péjoratif. Je suis un amoureux du Congo. Et dans Alternative 2028, nous avons besoin, nous rassemblons les amoureux du Congo, les déçus de cette République qui veulent vraiment l'amener dans le meilleur. Quels sont les objectifs du regroupement Alternative 2028 ? Je vous le dis directement, c'est avoir le pouvoir en 2028. Donc Ados Nomassi en 2028 est candidat à président de la République ? Je ne dirais pas comme ça. Le plus important pour nous, c'est que Alternative 2028, nous allons d'abord présenter un projet de société. Un projet de société qui sera présenté, et peut-être à la longue, on vous présentera la personne qui va porter notre projet de société. Nous nous sommes dit ceci. Souvent dans ce pays, nous sommes un pays à slogan. Pourquoi vous avez voté une personne ? Oh non, toye binaku. Ote yeke koko voté, tse. Aza mutoba LGBT. Bref, nous sommes des gens à slogan. Ce que nous voulons cette fois-ci, c'est d'amener un projet de société qui solutionnera, bien sûr, tous les problèmes que nous avons dans ce pays à tous les niveaux, santé, sécurité, infrastructure, et bref, tous les problèmes de la société. Vous êtes aussi parmi ces acteurs politiques qui, quand ils vont auprès du peuple, ils apportent des slogans. Pas du tout. Vous savez, moi j'ai travaillé comme député national pendant 5 ans, de 2019, je peux dire, à 2023. Je suis parmi les seuls députés nationaux à avoir déposé 10 propositions de loi. Des propositions de loi importantes pour la République démocratique du Congo. Et j'ai même décidé d'aller remettre, si tout va bien, ces 10 propositions de loi au président de l'Assemblée nationale, que la République fasse de ces lois la sienne. Donc, je peux vous dire une chose, en tant que député national, j'ai pu déposer 44 questions orales avec débat. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas dans les slogans, nous sommes dans le travail. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin des amoureux du Congo qui viennent travailler pour la nation. Dans notre hymne national, il est dit « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. » Par le labeur, par le travail. Et malheureusement, vous allez remarquer, vous allez constater qu'en République démocratique du Congo, nous ne travaillons pas assez. Et c'est même pour cela l'intérêt de cet habit que je porte, qui symbolise le travail, mais qui symbolise aussi l'humilité. Donc si la RDC veut aller, si la RDC veut grandir, elle doit se mettre au travail, elle doit avoir des dirigeants qui ont pour option première le travail. Donc ça veut dire, quand vous faites une observation, parce que dans votre discours, j'ai suivi, vous avez critiqué la CENI, vous avez critiqué pas mal d'institutions en République démocratique. Nous critiquons la CENI qui a organisé des très mauvaises élections, qu'on se le dise, hein. Bah, élection Salamé qui m'a bémakassi, Nakati Amour en Abisso Congo. On a Bakutaki, certains candidats avec des machines à voter. Yemoko Kadima a t-il respecté le temps des élections? Le bien élection Salama en un jour, mais en République démocratique du Congo, les élections ont duré pendant 7 jours. Et Zabilo Komoko Tokoki Kondima monté dans un pays qui est sérieux. La CENI a aujourd'hui donné au peuple congolais des cartes qui s'effacent. Bref, rien de sérieux ne s'est passé en 2023. Mais le président Kadima s'était aussi expliqué par rapport à la question. Il y a par rapport à ma machine Oyo Tio Lobawa, et ça, image, je me souviens, ça, image, 2018, Oyo. J'aimerais dire ceci. Placer un mot sur la toile. La place de Kadima na Minito est à la prison, Makala. Oh, place à Kadima na Minito est à la prison. Il y a Kadima dans un pays sérieux, Ezali Makala. Ce qu'il a offert comme tableau à la République démocratique du Congo, Ezali Soni Makassi. Donc, place de Naminto. Mais il y a même une réforme, moi, je n'ai jamais causé à ma présidente, tout y a signé, il y a les cas, il y a quelle réforme, s'il vous plaît, moi, je le dis clairement, j'aime mon pays. J'aime mon pays et nous devons devenir sérieux dans ce pays. Le problème de ce pays, c'est que nous n'avons pas des gens sérieux à la tête de nos institutions. C'est pour cela que la République démocratique du Congo n'évolue pas. Donc, je le redis encore, la place de Kadima est bien sûr à la prison Makala. Mais autre chose, dans ce discours-là,
Vous avez vu que nous avons eu le temps aussi d'observer le climat politique et nous avons compris aussi que l'opposition congolaise est complice de ce qui nous arrive aujourd'hui en République démocratique du Congo. Elle est complice à quel niveau ? L'opposition congolaise, aujourd'hui, n'arrive pas à s'organiser. Il était possible de faire partir M. Félix Tshisekedi en 2023. Il était possible. Malheureusement, l'opposition s'est retrouvée en Afrique du Sud. Ils n'ont pas pu trouver un candidat commun de l'opposition. Martin Fayulu, Mukwege, Moïse Katumbi, Delice Sanga Matata Ponyo n'ont pas pu se mettre d'accord pour trouver un candidat commun. Deuxièmement, vous avez remarqué il n'y a pas très longtemps, on nous a parlé du porte-parole de l'opposition. Trouver le chef de file de l'opposition. Encore une fois de plus, l'opposition congolaise n'a pas pu se mettre autour d'une table et discuter et trouver celui qui deviendra le porte-parole de l'opposition. Troisièmement, Martin Fayulu qui nous amène un dialogue et un dialogue qui est rejeté par, je peux dire, 80% des opposants. Bref, voilà, on ne peut pas continuer à espérer à être derrière des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre. Et c'est pour cela que nous avons créé Alternative 2028, pour être l'espoir de la République démocratique du Congo. Ce n'est peut-être pas aussi parce que le pouvoir est en train de faire bien les choses et que l'opposition n'a pas d'argument pour pouvoir contrer le pouvoir. Vous vous moquez de vous-même alors, si vous dites que le pouvoir est en train de faire des bonnes choses. Quelles bonnes choses, qu'on se le dise, soyons sérieux. Il n'y a rien de bon qui se passe dans ce pays. C'est une réalité. Non, c'est tout noir. Makambu, Yamabe, et Makasi, Ezo Salamanakati, Yamboka Oyo. Aucune avancée, aucune évolution sur le plan social. Nakatambo à la Bisso. Autrefois, on n'avait pas un budget comme dans l'armée. Les lots aux Anango, à plus d'un milliard de dollars. Mais aujourd'hui, l'armée a un budget naïe, moko. Bizarrement, le pays se portait mieux tant où bon, ils allaient comment manquer. Aujourd'hui, on nous parle d'un budget de 16 milliards ou 18 milliards de dollars, mais nous n'avons aucune avancée. Avec un budget de 4 milliards de dollars, la RDC a pu acheter des avions, avait une compagnie qu'on appelait Congo Airways. Aujourd'hui, avec un budget de 18 milliards de dollars, malheureusement, la RDC n'a plus d'avions. Donc, c'est pour vous dire que les choses n'avancent pas dans ce pays, malheureusement. Ne soyons pas fanatiques. Et nous, aujourd'hui, dans Alternative 2028, notre combat aussi, c'est combattre le djalélisme, combattre le fanatisme, le régionalisme, le tribalisme, toutes ces tares qui affaiblissent la République démocratique du Congo. Nous voulons, nous, Alternative 2028, être un regroupement rassembleur, capable de rassembler les Balouba, les Baswahili, les Bakongo, les Bangala. Tous, nous devons nous retrouver autour de notre projet de société qui, bien sûr, défendra chaque nation. Donc aujourd'hui, la RDC, si on peut-être voir ensemble, la RDC a un problème de cohésion. Non, j'aimerais dire ceci. Pour moi, qu'on se le dise, le peuple n'a aucun problème. La cohésion, elle existe dans ce pays. Le problème, c'est les politiciens qui veulent diviser ce pays. Ce sont eux, la base. La base. Je peux vous dire que le danger de la République démocratique du Congo, ce sont les politiciens, majorité comme opposition, qui veulent diviser, bien sûr, la République démocratique du Congo par le tribalisme. Vous savez, dans l'ancien temps, qu'on se le dise, quand on voyait Mobutu, on voyait l'unité nationale. Quand on voyait Tshisekedi père, on voyait l'unité nationale. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les responsables des partis politiques, majorité comme opposition, vous sentez que ce sont des chefs de clan. Quand on voit un Bahati, on voit carrément qu'il a, je ne sais pas, le sud Kivu, il est du sud Kivu, je sais même plus. Mm-hmm. Ou quand on voit un Bemba, on voit directement l'Équateur. Quand on voit un Katumbi, on voit directement le Katanga. Mais ce sont ces choses qui ont divisé la République démocratique du Congo. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est avoir un leader capable de rassembler tous nos peuples, tous les peuples congolais. Très bien, nous allons entrer dans notre deuxième point. On va parler sur la Constitution. Honorable Ados, êtes-vous pour ou contre la révision de la Constitution, comme ça se dit ces derniers temps? Je trouve que ce débat n'est pas opportun pour le moment. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques faiblesses dans cette constitution, mais il n'est pas important de changer la constitution. Surtout en ce moment, j'aimerais dire ceci. Le grand malheur
il y a Congo Nabiso. Tikana le bon pour la Congolais, bah, yukanga bien. Très bien. Malheur à Congo Nabiso. On veut nous faire croire qu'en changeant la constitution, la République démocratique du Congo va la développer. Non. La constitution est un instrument politique qui, malheureusement, nous ne respectons pas en République démocratique du Congo. Bissomoko. Kabila n'a jamais respecté cette constitution. Il a violé autant de fois la constitution. Félix arrive, viole tous les jours cette même constitution. Ah. Oh non, vous dites tous les jours. Mais c'est une manière de dire, je vous le dis. Cette constitution n'est pas respectée. Mais quand je vous dis tous les jours, quand vous apprenez qu'un opposant comme Jacky Ndala a été violé dans les geôles de l'ANR, vous pensez que c'est respecté la constitution? Non. Combien de personnes en ce moment sont violées sexuellement dans les cachots de l'ANR? Il y a une, question qui se pose. Si Jacky Ndala a été violé à l'ANR, combien d'autres personnes congolaises moins connues que Jacky Ndala se font en ce moment? Il y a une question qui se pose. Si Jacky Ndala a été violé au geôle de l'ANR, pourquoi, depuis tout ce temps qu'il a été violé, il s'est tué? C'est seulement aujourd'hui qu'il prend parole. Je pense que Jacky Ndala a été clair. C'est la honte, cher ami. C'est la honte. Personne ne peut accepter aussi facilement qu'il a été violé. Même des femmes, quand il est violé en Europe, témoignent des fois 30 ans après. C'est l'histoire du fameux Abbé Pierre. Vous avez entendu ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, Jacky Ndala est une personne que nous devons féliciter, que nous devons encourager. Et moi, je demanderai à toutes les personnes qui ont subi ce genre de violence, à toutes ces personnes qui ont été violées par l'ANR ou par la DEMIAP, de dénoncer. Parce que ce genre de pratiques ne peuvent pas continuer en République démocratique du Congo. Nous sommes nous-mêmes en train de tuer la République démocratique. C'est pour cela que je vous dis, le problème du Congo, ce n'est pas la Constitution, ce sont les politiciens qui ne sont pas sérieux et qui veulent faire croire au peuple congolais que pour construire des routes, il faut changer la constitution. Ils veulent nous faire croire que pour construire des hôpitaux, il faut changer la constitution. Ils veulent nous faire croire pour combattre l'insécurité alimentaire, il faut changer la constitution. Ils veulent nous faire croire pour créer une bonne armée, il faut changer la constitution. C'est du pur foutage de gueule, malheureusement. Le président de la République, dans une sortie médiatique, il avait dit clairement que dans la sortie du gouvernement, par exemple, c'est aussi une disposition qui bloque l'avancement du pays. Par exemple, quand le président de la République est nommé, est passé, il a été réélu, par exemple, oui, élu, pour qu'on puisse désigner le premier ministre, il faudrait qu'il y ait des regroupements politiques, que le premier ministre sorte. Et tout ça, ce sont des dispositions constitutionnelles. Si, par exemple, on changeait ces dispositions-là et que le président de la République avait la mabilité et le pouvoir discrétionnaire de nommer directement le Premier ministre, ça nous éviterait. Prenons l'exemple du Sénégal. Après les élections, automatiquement, le président a nommé le Premier ministre. Je l'ai dit encore une fois de plus, cher ami, ce pays manque de sérieux. Le désordre qui a l'Union sacrée a causé ce retard-là. C'est ça une réalité. C'est le désordre qui a aujourd'hui, l'Union sacrée. Mais aujourd'hui, vous avez un gouvernement. Qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire? Rien. Monsieur Félix Tshisekedi, si son gouvernement ou si ses propositions étaient sérieuses, pourrait avoir un gouvernement il y a très longtemps. Et malheureusement, comme nous ne sommes pas sérieux, nous aimons le retard, il n'y a pas d'urgence. C'est pour cela, bien sûr, qu'il a installé ce gouvernement à cette manière. Donc, je le redis encore, pour moi, c'est de l'escroquerie politique de nous dire aujourd'hui qu'il faille changer la constitution congolaise. C'est de l'escroquerie. Prenons ce que l'honorable Augustin Kabuya, président AI de l'UDPS, qui a dit. Sur papier, le président de la République n'a que 5 ans, mais en pratique, c'est 3 ans. Ce qu'il faille, il faut revoir ses dispositions. Quel est votre réel? Je pense que Totiko le Baron, les Soussiko, je viens de le dire encore une fois de plus, même en 3 ans, vous pouvez faire des merveilles. Qu'on ne vienne pas nous parler de temps. Monsieur Félix Tshisekedi dit aujourd'hui, en 6 ans, qu'a-t-il fait de congrès pour la République démocratique du Congo? C'est la question que nous devons nous poser. Quelles sont les réponses aux problèmes des Congolais auxquels il a fait face? Malheureusement,
Il n'y a pas de réponse. Je le redis encore une fois de plus au peuple congolais. Ces politiques nous ont escroqués. Ils nous ont escroqué notre avenir. Il y a la gratuité de l'enseignement. Ils nous ont escroqué notre... J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, la République démocratique du Congo est semblable à cet immeuble qui s'est écroulé dernièrement dans la commune de Gombe. Mmh. C'est ça, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, est cet immeuble penché en train de s'écrouler. Sur cet immeuble penché qui est en train de s'écrouler, même si vous y ajoutez la gratuité de l'enseignement, même si vous y ajoutez un autre niveau que vous appelez gratuité de la maternité, il tombera. Parce que le malheur du pays, c'est le système congolais. Il faut le repenser. Il faut repenser la République démocratique du Congo. Je peux vous le dire, ce pays va s'effondrer. C'est une question d'heures, c'est qu'une question de jours, de mois ou d'années. Mais la République démocratique du Congo, telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, s'effondrera, qu'on le veuille ou pas. Et maintenant, Alternative 2028 se dit prêt à présenter un projet de société qui sauvera bien sûr ce pays, notre pays. Faudrait-il refonder ou encore repenser comme vous venez de le dire? Mais posez-vous la question, qui a créé ce pays? Est-ce les Congolais? Non. La République démocratique du Congo est une pensée coloniale, est une pensée belge. Il faut se le dire. République démocratique du Congo est salama po epiame, po e servir batalibanda. C'était ça la vision de la République démocratique du Congo. Servir l'extérieur, servir les États-Unis, servir la Belgique, servir la France. Tout a été fait, toute la pensée politique, économique a été faite pour que la République démocratique du Congo serve les intérêts extérieurs et non servir les intérêts des Congolais. Nous avons eu certes l'indépendance en 1960. Qu'avons-nous en fait? Oui, nous avons eu peut-être une indépendance politique. Avons-nous eu cette indépendance économique? Avons-nous réfléchi sur le devenir culturel de notre pays? La colonisation a fait beaucoup de mal, n'oublions pas. Énormément de mal. Elle nous a débranchés de notre culture. Est-ce que nous, à notre tour, en 1960, avons-nous fait un travail pour nous reconnecter avec notre culture? Pour nous reconnecter avec nos sources culturelles? Nous ne l'avons pas fait, cher ami. Et vous allez constater que tout ce qui est belge continue à exister encore aujourd'hui. Les routes laissées par les Belges. Nous-mêmes, nous ne nous sommes pas appropriés d'un nouveau Congo. Dans notre hymne national, il est dit... Nous peuplerons le sol et nous assurerons ta grandeur. Nous avons peuplé le Congo, mais nous n'arrivons pas à assurer la grandeur. Regardez même au niveau de l'éducation. C'est quelle éducation que nous donnons à nos enfants? L'éducation de Charlemagne? L'éducation de Christophe Colomb ou de Diego Cao? Pendant que les autres pays adaptent l'éducation par rapport aux problèmes de leur nation, nous, encore une fois de plus, depuis 1960, nous étudions Charlemagne, nous étudions Diego Cao. Et nous n'arrivons pas aujourd'hui à prendre en charge nos problèmes. L'ADC, c'est un problème de management, de leadership. De vision. De vision, on en parlera tout à l'heure quand vous allez parler de cette histoire de dialogue, que je trouve encore une fois de plus, une des grosses escroqueries. Donc c'est-à-dire pour moi, révision constitutionnelle, dialogue, tous ces deux mots, ou tous ces deux slogans, ce n'est que de l'escroquerie congolaise. C'est de l'escroquerie. Voilà. De l'escroquerie qu'on les prenons ce que le secrétaire général de l'ECID, Devos Kitoko, qui dit, Félix Tshisekedi dit, en ce qui concerne la révision de la Constitution, il dit, Félix Tshisekedi doit d'abord nous rendre l'intégrité territoriale qu'il a héritée de Joseph Kabila. Que dire? Ça veut dire que la RDC n'a plus son intégrité depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi? C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, ça va faire combien de temps que Bounagada est tombé? C'est une réalité que nous avons perdu plus de 155 localités quand même. C'est énorme, énorme. Donc, je le redis encore, il nous faut du sérieux. Il est possible de récupérer ces territoires, mais avec un gouvernement sérieux. Mais il venait de se prononcer du haut de la tribune de la 79e Assemblée des Nations Unies. Il s'est prononcé ou il s'est lamenté?
Ah, il s'est lamenté. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est malheureusement lamenté au niveau des Nations Unies. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe au niveau du Liban avec l'Israël? Vous avez vu ce qui se passe quand on attaque l'Israël? Il y a des réponses. Israël n'attend pas d'autorisation des Nations Unies pour frapper. Quand vous attaquez Israël, il y a une réponse. Aujourd'hui, nous avons malheureusement un gouvernement faible, un gouvernement qui est incapable de défendre le peuple congolais. Je disais dernièrement, l'ANR a été incapable de nous dire que Bounagana allait tomber. À chaque fois que nous perdons des localités, nos services d'intelligence sont incapables d'avertir à notre armée que, attention, la ville va tomber. Si c'était ça le rôle. Aujourd'hui, vous allez voir que l'ANR est spécialisée, bien sûr, en arrêtant les opposants. Donc aujourd'hui, tout ça, l'ANR Moko, ils ont spécialisé intelligence. Il n'y a aucun opposition, il n'y a pas opposant. Ah, il n'y a aucun asset qui coule le violer Jacquine dans la Nengenine. Il y a un air nabis malheureusement et comme un alors tout l'ingé on se soutient. Donc, si on peut boucler par rapport à ce sujet, vous n'êtes pas pour présentement là qu'on puisse reviser, même changer la constitution, et ce n'est pas judicieux présentement là, cher ami. Nous avons des problèmes. Ce pays, je le redis encore, a besoin d'une nouvelle génération. Une génération... Une nouvelle classe politique. Une nouvelle génération aussi. Une nouvelle classe politique. Des gens capables de changer réellement la nation congolaise. J'aimerais vous parler d'un secteur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est un désert médical. Désert médical, prenons la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a besoin au minimum de 600 hôpitaux comme à Maïmo. Vous avez combien d'hôpitaux comme à Maïmo, cher ami? Vous en avez combien? Peut-être 10 ou 15. C'est-à-dire, si je mets Klingaliema, Cinquantenaire et autres, peut-être que nous avons 15 hôpitaux comme, qui ressembleraient à Maïmo. Mais la ville de Kinshasa en a besoin de 600. Toute la République démocratique du Congo a besoin de 4000 hôpitaux comme à Maïmo. En République démocratique du Congo, le taux de mortalité est très élevé, 53%. Parce que nous sommes en manque d'hôpitaux. Donc vous pensez que changer la constitution va faire en sorte que demain on construise 4 000 hôpitaux? Non. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on construise le rêve congolais. Je vous ai dit que le Congo a été créé pour servir les intérêts extérieurs. Maintenant, il faut repenser la République démocratique du Congo et trouver des solutions à nos problèmes. Très bien, parlons de ce sujet par rapport à ce qui concerne le dialogue. Le président de l'ECID était favorable au dialogue et il a tendu sa main au pouvoir en place. Quelle est votre analyse? Êtes-vous d'accord pour le dialogue? Et s'il faut dialoguer, pour quel motif? Main au cœur, j'aimerais dire là-bas qu'on les nuance. Obazali, Naliban Namboka, Obazali, Nakatiamboka. J'aimerais vous dire une chose. Aucune révision constitutionnelle va développer la République démocratique du Congo. Aucun dialogue politique va développer la République démocratique du Congo. Je vous dis, révision constitutionnelle, dialogue politique, nyonso mibale ezali ba escroquerie politique. Le Congo aujourd'hui a besoin d'une réflexion scientifique et culturelle pour sortir ce pays de ce marasme, pour sortir ce pays de cette merde qui s'est installée depuis 64 ans. Nous voulons aujourd'hui qu'on pense la République démocratique de 2050. Vous savez, en 1980, Dubaï n'était pas Dubaï que nous adorons aujourd'hui visiter. Il est possible aussi d'organiser une réflexion scientifique pour que demain nous construisons le Congo de nos rêves. Nous avons besoin aujourd'hui d'un vrai projet, d'un Congo qui est capable de faire peur au monde. Aujourd'hui, dans ce dialogue, dans cette réflexion scientifique que nous demandons, il faudra mettre de côté les politiques, parce que les politiques sont le danger de la République. Ce qu'il nous faut mettre aujourd'hui, des architectes, des urbanistes, des économistes,
des médecins, des culturels, des penseurs qui vont nous proposer une autre vision, le rêve congolais que nous présenterons bien sûr au peuple congolais. Donc, et après peut-être que les politiques interviendront. Cette fois-ci, laissons les penseurs, les scientifiques, les économistes réfléchir à un nouveau modèle ou à un nouveau Congo. Donc vous estimez peut-être que le dialogue est une raison de partage de pouvoir ou une occasion de partage Je vous de le pouvoir. Dis encore, main au cœur, aucun dialogue politique n'apportera une solution à ce pays. Aucun, cher ami. Il est temps de construire le rêve congolais. C'est quoi le rêve congolais pour nous? C'est la grandeur. Assurons la grandeur de ce pays. Nous peuplerons ton sol et nous assurons ta grandeur. Assurons la grandeur de ce pays. Aujourd'hui, le Congo n'a pas été pensé. Il faut aujourd'hui qu'une jeunesse, qu'une génération pense à ce Congo que nous présenterons au monde en 2050. En termes d'infrastructure. Un Congo où nous sommes capables de quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi, 2300 km. Un Congo où nous sommes capables de quitter Lubumbashi-Goma, 1530 km. Goma-Kisangani, 678 km. Kisangani-Mandaka, 1400 km. Mbandaka-Kananga, 1300 km. C'est ce Congo-là que nous avons, dont nous avons besoin. Un Congo où il y a 4000 hôpitaux qui prennent en charge les Congolais. Un Congo où l'État congolais est capable de construire 10 millions de logements pour ses fils et filles. Nous voulons de la grandeur. Un Congo où on ne parlera plus d'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, vous avez, malgré le potentiel que nous avons, 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions de terres irrigables, une densité halieutique de 700 000 tonnes de poissons par an, la possibilité d'accueillir plus de 40 millions de bovins, la RDC a malheureusement 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 13 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Il faut penser à un autre Congo. Un Congo urbanisé, cher ami. C'est une belle occasion. Le dialogue pourrait être une possibilité. Je vous l'ai dit. Aucun dialogue politique. Cher ami, le politique congolais, malheureusement, est vide. Il est vide. Le politique congolais est vide. Le politique congolais est vide, malheureusement. C'est pour cela que je vous dis, cette fois-ci, organisons une table ronde scientifique où il y aura des gens qui vont penser sur le nouveau Congo de 2050. Je vous l'ai dit, Dubaï n'existait pas en 1978, le beau Dubaï que nous avons aujourd'hui. Mais il a été pensé par qui? Il a été pensé par des penseurs, par des urbanistes. Et nous avons ce Dubaï. Mais aujourd'hui, regardez, nous pourrons changer des dizaines de gouverneurs dans la ville de Kinshasa. Tant qu'il n'y aura pas de vision claire de la République, tant qu'il n'y aura pas de vision claire de Kinshasa, on perdra notre temps. Je peux vous le dire, même en 2100, nous resterons toujours dans ce merdier. Très bien. Alors, chutons par ce dernier chapitre, mesdames et messieurs. Nous allons prendre cet élément qui va devoir clore notre entretien de ce jour, qui retrace tout simplement la marche de l'opposition le mercredi passé. Ensuite, cet élément, on se retrouve tout juste après. C'est parti. Membres du cadre de concertation des forces politiques et sociales, plateforme des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, venant en application des dispositions des articles 8 de la Constitution, 10 et 16 de la loi organique numéro 7/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition, vous faire part de ce qui suit. 1. Nous avons le regret de constater que le gouvernement que vous dirigez a décidé, depuis son avènement, à l'instar de votre prédécesseur, de réinstaurer la dictature en République démocratique du Congo, en piétinant systématiquement sur le pacte républicain qu'est la Constitution. Il en est de même pour les lois de la République, ainsi que les instruments juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, librement ratifiés par notre pays, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifié par la République démocratique du Congo le 20 juillet 1987. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 1er novembre 1976
ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ratifiés par la RDC le 18 mars 1996. Très bien, là c'était le sit-in de l'opposition qui a eu lieu le mercredi passé. Alors, honorable, on vient de voir faire ce discours après votre sit-in. C'était quoi l'objectif de ce sit-in? Je pense que nous avons décidé d'organiser un sit-in devant le palais de la justice. Pourquoi le palais de la justice? Parce que le palais de la justice certifie un peu, c'est le lieu qui certifie tous les actes juridiques et judiciaires de la République démocratique du Congo. Nous sommes allés là-bas demander justice pour tous ces prisonniers politiques du pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a plusieurs opposants qui sont arrêtés par le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Ils sont arrêtés injustement ? Injustement. Je prends le cas de M. Seth Kikuni, mais prenons aussi le cas de M. Jean-Marc Kabound, Mike Mukebaye, qui pourrit en prison depuis plusieurs mois, sans procès. Nous avons aujourd'hui Daniel Safou qui est aux arrêts, à la DEMIAP, sans avocat. Nous avons demandé, en fait, la libération de tous les prisonniers, les activistes politiques. Certains qui sont à la NER à Kinshasa, d'autres à la NER à Goma, certains aussi à la DEMIAP et d'autres qui croupissent en prison à Makala. Nous avons demandé justice pour Chérubin Okende qui a été tué et jusqu'à présent on ne voit pas clair par rapport à ce procès qui nous a été imposé de manière très maladroite bien sûr. Vous souhaiterez qu'on puisse revoir Rouvrir le dossier. De rouvrir le procès Chérubin Okende. Nous avons demandé aussi justice pour Jacky Ndala. Je l'ai dit tout à l'heure, Jacky Ndala, opposant de son État, une star quand même, très connue en République démocratique du Congo, qui a été humilié, qui a subi un viol sexuel pendant plusieurs jours au niveau de la NER. Chose qu'on ne peut pas tolérer en République démocratique du Congo. Nous avons aussi demandé justice pour ce massacre qui s'est perpétré, bien sûr, au niveau de Makala, où il y a eu des centaines de Congolais qui ont été tués. Nous l'avons dit aussi au ministre de la Justice que rien ne peut justifier ce massacre au niveau de la prison Makala. Bref, voilà un tout petit peu le pourquoi de ce sit-in au niveau du palais de la justice. Tout le monde peut tout chuter. Moi, parti au yo nalingala honorable Ados. Est-ce que Essengela Kikaka, Madame Oyo, aleka sur les réseaux sociaux pour nous lober la likambouya Jacky Ndala, peut-être dans la contention à Bangona Jacky Ndala, pour que Jacky Ndala azoa possibilité yépé à couper ça. Nani. Amati sape mungongo atalisa makambo ya kutanaki nango kuna na ndekolanga ezali Jacky Ndala bien clairement abi nazana 52 ans nazana bana mikolo ezali soni ponanga bana nanga bayeba ki ba sodomiser tata na bango ezali soni ndekolanga. Je pense qu'aujourd'hui tozoe ba mabe oto salité na mukili tozoe ba mabe oto salité pona Jacky Ndala. C'est vrai, Jacky Ndala peut être contre Félix Tshisekedi, contre le pouvoir. Mais vous n'arrivez pas là. Vous ne faites pas ça, Ndekonanga. Si pour une femme, le viol est terrible, et vous pensez que pour un homme, être sodomisé n'est pas être terrible, c'est un acte de viol qui a été fait à l'encontre de Jacky Ndala. Ndekonanga, nazana pasi mususu nakata motema oito ningai. Ezali le silence des églises. Les personnes qui sont violées au niveau de la NER, bazali ba catholique, bazali ba kimbangiste, bazali ba protestant, bazali ba pentecôtiste, il faut que tombe la mongongo ko lobela yango, il faut dénoncer cela. Ndekolanga, ces mêmes pratiques on aurait appris que ça la m'a rappelé la rate de la prison. Mais ndekolanga, ces personnes qui sont en prison, ce sont des pentecôtistes, ce sont des catholiques, des musulmans. Mais comment se fait-il aujourd'hui qu'aucun père spirituel n'est capable de dénoncer ce genre d'acte? Donc les loyaux Congo est commis dans Sodome et Gomorre. Mais comment voulez-vous être un peuple béni? Vous ne pouvez pas être béni. Le silence des églises m'effraie. Je le dis encore une fois de plus. Aucun pasteur n'a dénoncé. Aucun abbé n'a dénoncé. Même le cardinal, personne n'a dénoncé.
C'est ici que nous regrettons maintenant aujourd'hui, bien sûr, le cardinal Mossengo, qui était capable de porter ce genre de message. Est-ce que Lelo Pendasso qui toquait pour une injustice, Jacinda, là, on a vraiment la preuve tangible, là, qui ça. Mais non, mais j'ai appris à qui on a médecin. Je peux vous dire, la République démocratique du Congo va payer très cher. C'est un crime contre l'humanité qui a été fait à l'endroit de Jacinda. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, je peux vous dire, la République démocratique du Congo va faire de Jacinda un multimillionnaire. Ça, c'est une réalité. Une réalité, c'est que si aujourd'hui nous avons un beau procès, la République démocratique du Congo va perdre. Parce que cet acte s'est passé où? Dans les locaux de l'ANR. Et l'ANR dépend de qui? Du président de la République. C'est à l'État. Mais oui. Voilà. Alors, qu'en est-il de l'affaire de cette Kikuni? Parce qu'aujourd'hui, cette Kikuni a pris injustement. Est-ce que Moutoua Kangamaka, injustement, sans qu'il faut que tu la pour appréhender? Tu sais, moi, je ne viens pas dans la émission à côté là-bas. Parce que, il y a une cohésion. Ouais. Na regroupement alternatif 2028 c'est tout ça n'a pas ça fédérer bah force nyonso aux alamkong aux amluba nyonso en fait ils ont la esprit séparatiste ils ont la parce que tant cette Kikuna qui na katanga il a fait une déclaration ils ont un peu séparatiste c'est là qui justifie qu'au Kamane na aner t'es indikolanga ils ont peut-être incitation à la haine na lobby bou indikolanga. J'aimerais dire ceci. Il peut arriver que Moutou a énervé Baloa. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas ici comme avocat de cette Kikuni. Ni de Mike Mukibai, ni de Kabound, ni de Daniel Safou. Naza avocat n'a pas monté. Mais je dis ceci. Chaque Congolais qui énerve la loi, mais ma cour et tribunaux et Ali, les parquets existent dans ce pays. Ce qui Moutou a énervé loi, on n'est pas obligé d'utiliser les services renseignements, de renseignement. Toti Kabar, service de renseignement, et Salamo, Salala Bango Moussoussou. Nous avons une guerre qui dure pendant depuis 30 ans à peu près. Bademia, Moussala Nabongoza au Karaba, opposanté. Moi, je suis contre cela. Ndekolanga. Tant que vous avez pouvoir en 2028, Bilokwane Kozala Soussouti. Ah, vous assurez que vous avez pouvoir en 2028? Tant que vous avez pouvoir en 2028, parce que nous allons vendre notre projet de société à chaque citoyen congolais. Mais l'UDPC, dans le but, il y a une organisation à conserver pouvoir. Dans le but, Ndekolanga, je le redis encore une fois de plus. Congolais, Oyo a énervé loi, cours et tribunaux, et Zali en République démocratique du Congo. On n'a pas besoin de séquestrer une personne pendant 3 semaines. On a séquestré la petite Gloria Senga. 40 jours, on apprendrait des choses aujourd'hui. Plus de 40 jours. Pris en otage cette Kikuni pendant plus de 3 semaines en plein Kinshasa, siège des institutions. Mais Ndekolanga, si à Kinshasa, on enlève des gens au vu et au su de tous, imagine toi ce qui peut se passer à Goma. Si on viole à Kinshasa dans les geôles de l'ANR, imagine toi ce qui peut se passer à Bunia, où il n'y a pas des caméras de l'État, où il n'y a pas assez d'infos. Ce qui peut se passer en ce moment à la Tchopo. Je vous le dis encore une fois de plus, tout cela, c'est le non-respect de la Constitution. Donc, Bokangi 7, Bokangi Mike Mukebai, sans procès aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas violer la Constitution? C'est violer la Constitution. Donc, et l'autre, tu sais, il y a un biso, tu as la sérieux. Moutou, oh, il y a BBC, à tout imibeko, Bosala makamuna nenge ya mbolamu. Et là où ça n'a pas si. Ndeko tchiseke da ebisa kabiso, ako kanga bakasho nyo so aner, sur azu pouvoir. Lelo, bakasho aner, ti lelo izali. Donc, ako saka peuple congolais. Ndeko tchiseke di, a ebisa kibiso ke, ako humanise aner. Aujourd'hui, na tika lo koyoka makamu na tango a Kabila ti. Ni na tango Mobutu. Mais na tango ya Félix tchiseke di, mwana nzambe, ou azali na pasteur na ye, ou a yeba ni makasi. Vous voyez comment on accueille la pratique, il y a violence sexuelle sur les hommes et sur salam. Et ça n'est pas si bien dans le monde. Très bien, moi je pense que c'est un service qu'il faut condamner ceux qui sont en ami et ça, preuve ça. Les lois de Kolangaï, Congo, ils allaient gérer la Félix Tshisekedi. Na minute où en tant que président. Mais il n'est pas omniprésent. Na minute où il y a un Jakindala. Tu sais, il y a un Jakindala de Kolanga, j'ai suivi hier un débat sur la radio burkinabé où on parle de cette affaire à Jacques Indala.
au Gabon. On parle de cette affaire Jackindala. C'est-à-dire, ils allaient sonipo la République démocratique du Congo. Déjà qu'on viole les femmes à l'est du pays, dans la partie est du pays. On viole régulièrement les femmes. On tue nos mamans. On tue des hommes à l'est, dans la partie est du pays. Mais voilà qu'aujourd'hui, il y a des violences sexuelles sur des hommes au niveau de la nerf Nakati et Kinshasa. Donc je le dis une fois de plus que Neko Félix Tshisekedi d'un minuto soit le biquet Akinaner Abisabatu soit Bananer Bobima. Daniel Safaza va psycho na minuto. Mamuni ba sala été. Toi batende kolanga. J'aimerais dire ceci. Aner ezé amututé. Aner ba futamaka na mbonga ba congolais. Demia ba futamaka na mbonga ba congolais ndikolanga. Service mo côté et koki ko nyokola ba congolais na mbonga nango. Tu ne peux pas aujourd'hui te spécialiser à torturer les Congolais, mais au foutre à marapper les Congolais. Et malheureusement, tu apprendras aussi que toutes ces personnes qui violent les gens ont des églises, malheureusement. Très bien. Honorable, nous avons terminé notre entretien de ce jour. N'habitez l'Ilobanaoko, passé na peuple au Balandio aujourd'hui. Nako Senga, la peuple, merci. Bato Yoba répondre à qui présent. Na katia marche na biso aux qui organisé na cadre de concertation des forces politiques et sociales. En tout cas na pesi bango merci mingi tous les partis politiques qui ont répondu présent. Vous savez depuis élection Salami opposition était comme ça l'action menée dans ma cité et nous avons fait une très belle action. Très prochainement nous avons aussi d'autres actions que nous allons lancer pour bien sûr demander le respect de la constitution congolaise. Donc, je le redis encore, Ndekolanga, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont déplacées le 25 septembre, Liboso, il y a Palais de Justice. Alternative 2028, nous avons un site internet, alternative-2028.com. Tu veux devenir membre et alternative, kotana site internet d'Ambiso, alternative-2028.com. Tu peux devenir membre directement, mais au coquipé. Co-soutenir l'action d'Abisso politique. Surtout que dans le cadre de l'alternative 2028, voilà un petit peu mon message. Sinon, on peut nous écrire dans WhatsApp d'Abisso 099-99-11-972. 099-99-11-972. Vous pouvez nous écrire par WhatsApp, nous répondons toujours. 099-99-11-972. Nakobi Saba Congolais, encore une fois de plus. Ni la révolution, ni la révision de la Cour, pardon, ni la révision de la Constitution, ni un dialogue politique développera la République démocratique du Congo. Bako Sabinoté, il faut Congolais, Tokoma sérieux, il nous faut aujourd'hui une nouvelle génération politique, parce que malheureusement, Bakoulou Tounabiso, na majorité, na opposition, Bungisi Biso, Nzela, Congo, et Zokenedi Bosoté. Il y a un gros Sengalabino, Bokota Alternative 2028. Kalamingite Tozana Goma, Kalamingite Tozana Matadi, Kalamingite Tozana Bukavu pour installer bien sûr Alternative 2028. Merci beaucoup, Ndekolanga. En tout cas, merci beaucoup, honorable, et à répondre à l'invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro de repère. Je recevais pour vous l'honorable Ados Ndombasi qui est président du regroupement Alternative 2023, si vous estimez 28, excusez-moi, si vous estimez que les propos de l'honorable ne vous a pas plu, ou vous avez des propos, ou bien vous avez des arguments contraires à ce que l'honorable vient de dire, vous pouvez toutefois nous contacter. Nous sommes disponibles à vous recevoir sur Europe. Non, mais ils peuvent m'écrire aussi. Vous savez, ils peuvent m'écrire. Moi, Ndombasi, si je n'insulte pas, je ne présente que les faits. Je ne présente que les choses. Donc, mais je défends la République démocratique du Congo. Et je peux défendre la République démocratique du Congo de manière dure, en condamnant, bien sûr, ce viol qui a été effectué à l'endroit de Jackindala. Je condamne M. Félix Tshisekedi de vouloir réviser la Constitution. Je condamne ces personnes qui veulent nous amener dans un dialogue politique qui n'apportera rien comme solution. Et je demande, bien sûr, une table ronde scientifique, culturelle, où on parlera développement de la République démocratique du Congo. Voilà notre position d'Alternative 2028. Très bien, merci beaucoup, honorable. On se retrouve très prochainement, que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse les RDC. Au revoir.